C'est à moi qui t'adresse comme ça. Je suis le propriétaire ici. Et c'est moi qui décide. D'accord, j'ai compris. Je vais passer à la deuxième vitesse. Je vais quitter la première vitesse et aller à la deuxième vitesse désormais. Et tu vas voir ce que vous allez devenir dans la maison. Soyez les bienvenus. C'est joli, c'est très joli. Comme je t'ai vu avec tes femmes. Ah, c'est très bien. Vous êtes de jolis couples. Merci, profiteur. Je vous souhaite de l'amour. Merci beaucoup. Donc, et comme les fêtes sont arrivées, c'est pourquoi je vous ai convoqué. Vous voyez, ma maison, c'est toi seul qui as loué ma maison. Et j'ai compris pourquoi. Parce que les deux femmes ne peuvent pas accepter de dormir dans la même chambre. Donc, comme ça, tu es devenu propriétaire de ma maison. Voilà. Donc, quand on vient maintenant, c'est toi le propriétaire. C'est ça. Alors, quel est le propriétaire là? Oui, c'est moi qui ai construit la maison. Donc, et toi, désormais, tu as pris la clé de toute la maison et tu as installé tes femmes. Donc, j'ai applaudi l'idée. Maintenant, si je vous ai convoqué, c'est par rapport à la fête. C'est par rapport aux deux fêtes d'ailleurs, fête de Noël et fête de janvier, le 1er janvier. Comment nous allons fêter? Parce que là où je suis, je n'ai plus de famille. Hein. C'est vous qui êtes ma famille de l'homme. Hein. Et c'est pourquoi je vous ai appelé. Donc, comment nous allons fêter pour que la fête soit vraiment jolie? C'est pour cela que je vous ai convoqué. Oui, mettez-vous à l'aise. Cette année, bon, on va aller à soirée, vous allez rendre visite aux belles mères ou aux mères. C'est normal, aller à la plage. Tout et tout, on va faire tout. Mais jusque-là, je ne constate pas moi ma présence dans votre fête. Mais je suis votre famille de ma mère. Je sais, vous avez raison derrière nous. Vous êtes notre propriétaire, notre papa. Là, c'est très bien. Mais ça ne me plaît pas de vous suivre. Sinon, moi, je propose quelque chose. Vous voyez, je suis un retraité. J'ai déjà ravitaillé ma chambre pour les fêtes. C'est bon, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut préparer, les guirlandes, même la musique. J'ai acheté un nouveau feu. Non, la fête est là, c'est chez vous. Voilà, donc c'est chez moi. Vous êtes ma famille. Oui, donc je vais mettre tout ça là à votre disposition. Ok, merci papa. Merci beaucoup. Non, j'apprécie tes femmes. Je les aime au même titre. Mais pas comme. C'est pas l'autre amour. Je les aime comme ça. À l'œil. Donc c'est ça. Donc je vais mettre tout ce que j'ai acheté à votre disposition. Vous avez compris? Et on va rester ensemble et jouer. Ou faire que j'ai acheté là. On va jouer ça et faire la fête ensemble. Vous avez compris? C'est bon, non? Oui, c'est bon. Madame, comment vous trouvez ça? Regardez, je n'ai même pas souhaité les meilleurs vœux. Donc cette année, je te souhaite encore le meilleur. Je t'ai loué la maison. Prends tes femmes Pour les fêtes là, tu vas me prêter une de tes femmes. Tu vas, en fait, c'est à mon rôle. Voilà ce que je voulais dire. J'ai fait le ravitaillement, mais je n'ai pas celle qui va me préparer ça. Celle qui va rester dans la chambre et ordonner des choses, je n'ai pas. Oh, toi, tu as deux femmes. Tu vois, non? Donc,
tu vas regarder les deux femmes là et me prêter une. Non, va céder pour nous. Amour, beau. Attends, Je vais crier. Attends, regarde, c'est quoi? Je puis être ton papa, tu sais ça? Et après? Est-ce que tu sais que je puis être ton papa? Ah, et après? Moi, je suis bête quand je t'ai laissé toute la maison. Ah donc? Tu penses que c'est parce que tu me payes que j'ai laissé la maison? Non! C'est parce que je te considère. Je vois que tu es un petit qui respecte. Je vois que tu es un petit qui peut partager des choses. Ah, ok. Je vais partager tout. Et alors? Et partager pas moi aussi. Tu as deux femmes? Moi? Présentement, je n'ai pas de femme. Oh, les fêtes sont là. Il n'y en a pas de mi. Mais toi, tu vas fêter avec tes deux femmes. Non, prête-moi une femme dedans et tu cries sur moi. D'abord, pour nous, non, mais. Vas-y, papa. Donc, j'ai mal parlé. Papa. Oui, papa. Et maintenant, tu me demandes ma femme. C'est à moi qui t'adresse comme ça. C'est à moi qui t'adresse comme ça. Je suis le propriétaire ici. Et c'est moi qui décide. D'accord, j'ai compris. Je vais passer à la deuxième vitesse. Je vais quitter la première vitesse et aller à la deuxième vitesse désormais. Et tu vas voir ce que vous allez devenir dans la maison.